Excuse me. Je suis là, ma Claude, je suis là. Ton chien était d'un seul. Il a encore été se balader, je ne sais où. Dis donc, Didi, ça va pas du tout, tes maquettes. Voyons, moi qui me suis donné tant de mal. Voyons, je t'avais dit beaucoup de plumes. Et du strass tant que ça peut. Mais Régine, chérie, ça va dépasser le devis. Mais mon vieux, je m'en fous, rogne sur les autres. Moi, il me faut de la plume et du strass, t'as compris? Si votre fille avait eu autant de délicatesse que lui, elle aurait peut-être gagné 100 000 francs. Mais mon vaisseau souffrirait, ce que je vous dois. Regardez-moi la gueule de cet idiot. Et dites-moi sincèrement si une fille peut avoir envie de perdre ses 100 000 francs avec lui. Mais j'ai rien demandé, moi j'ai rien pris. C'est elle qui est toute pleine de malice. Puis j'aime pas ces choses-là, mais il n'y a pas de... Excuse-moi, va. Je crois qu'il ne me reste plus grand-chose à dire à votre fille. J'étais une plaisanterie, mon méchant. Une plaisanterie assez singulière. Il me paraît difficile de couronner publiquement la vertu d'une jeune fille qu'il faut repousser à coups de poulet. Mais je regrette. À bientôt, Nicoline. Est-ce que le 4 a payé? Oui. Et le 7? Oui. Complet, monsieur, dame, je regrette. Oui, complet. Et le 9 est libre? Non, mais le 7 va bientôt descendre. Mais oui, c'est juste. Allez, brûle-toi, voyons. Oh, voilà. Enfin, oh, c'est bon, elle est heureuse. Oh. Oh, tournez-vous un peu qu'on vous voit. Oh, ce qu'ils sont bruns, alors. Oh, ça me fait plaisir de vous voir, tiens. Ce sont honteux les voleurs, les bandits, le diable noir et ta bande. Oui, ces cochons de musiciens qui habitaient chez moi. Il n'y a qu'eux qui avaient la clé d'écurie. Et ceux qui ont fait le coup sont certainement passés par là. C'est le seul chemin. Ils sont mon argent, je vous dis. Du calme, du calme. Mais par la fenêtre de l'écurie, il n'y a qu'eux qui avaient la clé. Du calme. Faut absolument vous calmer. Asseyez-vous. Et tu peux me bouger, moi. Oh, je déteste les fleurs. Le moindre bouquet de violettes me donne la nausée. Aimez-vous les fleurs, Daisy? Les fleurs? Oh, je les adore. Oh, maman! Écoute, non, les gâteaux pour les autres. Et puis ça y est, elle a mangé toutes les olives. Oh, tu dis impossible, je t'assure. J'ai faim. Mais tu peux bien attendre quand même. Chez moi, j'ai l'habitude de manger à midi de faim. Et d'abord, qu'est-ce qu'il y a à manger? Bah, tu le verras bien. Allez, emportez ça à la cuisine. Et regarnissez-le. Et puis vous le rapporterez que lorsqu'on vous le demandera, hein. Oh tiens, je vais voir comment ça marche là-bas. Elle a toujours le feu au derrière. J'ai compris. Maman. Maman n'était pas là. C'est maman qui le cherchait. Françoise, vite, monte. On peut pas le laisser seul. Oui, quoi? Tu ne peux pas savoir. Là-bas, quand il tombait. C'était toujours maman. La grosse Marie-Thérèse voulait le faire pendre comme sorcier. Moi, je lui ai permis de se fixer à Vilna. Il m'a déjà rendu service. C'est un esplot? Non, non, un original. Qui se plaît dans la compagnie de ses poupées mécaniques lestes des angles. Oh. Et de ses automates qui singent la vie. Alors, quel service t'a-t-il rendu? Il est bien curieux ce matin. J'ai le droit de savoir. Oh! Je suis le maître! J'ai le pigeon bleu. Le faisan doré. Le gros ours jaloux de Catherine. Mmh. Son petit gris chez nous bien. Oh. Mais tu n'es pas le maître. Excuse me. J'ai l'arrêté. Bientôt 7 heures.
Vous êtes costaud. Honnête. Franc comme l'or. Ah, c'est drôle. Mais qu'est-ce qui est drôle? Il y en a qui prétendent que vous êtes de la police. Moi? Now that she thinks she's dead, it's easy to be generous. But if she knew the truth, she'd be just as selfish as before. Manina, this woman is David's wife. And she made him miserable. And I'm making him happy. Do you really believe that? Yes, I do. We are happy. And he loves me, and I love him. And nothing will ever part us. Now, I do feel sorry for you. Fais encore ce coup-là et on sortir à la campagne. Mais qu'est-ce que tu regardes? Je regarde le grand avec l'âge. Regarde plutôt la rivière de diamants. Oh, ma colombe, je te la donne, la rivière. Oh, est-ce que ça te va bien? Oh, c'est une folie, mon chéri. Et t'inquiète pas pour le malache, il va pas moisir ici, celui-là. Purtroppo. Luisa è una bella ragazza, è abbastanza naturale che si nasconde. No. Purtroppo è grave. Lo conosco, mio figlio. È troppo onesto. Incapace di approfittare di una ragazza. Lei pensa che il signor Conte avrebbe delle intenzioni serie? Ho paura di sì. Bisogna provvedere prima che sia troppo tardi. Ecco. Non lo so nemmeno io. Una soluzione ci sarebbe. Tieni, fai mettere la macchina in garage. Subito, signor Conte. C'è una lettera urgente per l'amministrazione, signor Conte. Cosa devo fare? Dalla a me. Anna Maria, è ridicolo, ma non so più fare a meno della radio. Tu? Della luce non mi importa, ma non so fare a meno della radio. Anna Maria, va a pagare l'elettricità. No, mamma. Questi soldi mi servono per un'altra cosa. E per che cosa? Per andare al ballo di Isabella. Ma sei matta? Mamma, non sono mai stata così calma e ragionevole. Ho ancora un vestito. Per tutto il resto, il denaro dello zio basta. Le laissez faire. J'aurais voulu qu'il m'assomme. Ce qui t'arrive est déjà arrivé des quantités de fois, Maria. Depuis toujours et dans le monde entier. C'est une histoire insignifiante. Ça ne vaut pas les larmes que tu verses. Une histoire insignifiante? Il y a d'autres hommes que François Paradis. Non. J'ai été bien malheureuse, moi aussi, quand j'avais ton âge. C'est afin de t'éviter les mêmes souffrances que je voudrais t'aider à comprendre la vie. Il faut que j'aille surveiller le four. Couvre-toi, Maria. Il fait très froid. Elle est trop innamorata del suo fidanzato. Ma certo che voglio molto bene d'Armando. E ci tiene tanto a sposarlo? Naturalmente, signore. Una ragazza come lei dovrebbe essere libera. Altro che pensare a sposarsi. A me piace avere un marito. Vorrei avere la sua età e la sua bellezza, come saprei farle fruttare. Gli uomini li vorrei così ai miei piedi, altro che... A me gli uomini non interessano.
Oh, ça me suis cloué dans mon lit pour le restant de mes jours. Eh oui, à moins que vous ne vouliez. Est-ce que vous êtes fou, Andrieux? Je connais des femmes beaucoup plus rhumatisantes que vous qui font des lessives et qui arrachent des betteraves. Ben, évidemment, elles n'ont pas les moyens de se payer l'agonie de Voltaire. Bon, enfin, puisque vous pouvez vous offrir ce luxe, hein. Rassurez-vous d'ailleurs, vous mourrez rhumatisante, mais centenaire. Nous serons tous gratteux avant, d'ailleurs. Votre tyrannie ayant atteint son point de perfection. Vous essayez de me rassurer avec des sarcasmes, mais ça ne prend pas. Ce n'est pas à mes rhumatismes, je le sais, que vous pensez lorsque vous dites que je suis incurable. C'est vrai. Ah. Françoise Rosé, Keith Endes. I've always loved you. Look, Marley, it ought to be plain. I'm not the sweet little girl you think. Monsieur Jakubowski, what happened? I missed the plane by this much. The approximate size of a visa stamp. You can have your room back, of course. Thank you. The hotel is practically empty. But it's much too dangerous for you to remain in Paris. I know, I know. Tomorrow I will leave for the South. You know why I like you, Monsieur Jakubowski? Because I prefer a sunny day to a cloudy day. Perhaps you would care for a chocolate. Why is it that the best husbands are always unmarried? You ought to settle down, Monsieur Jakubowski. I mean, get married. No. Why not? Well, you see, Madame Bouffier, I am a great admirer of beauty. But with the ladies, I have been somewhat less than a dazzling success. Ça te dit rien? Ah, vieux la glisse. Il faut avoir au moins 100 piges, celui-là. Il y a une paye que j'ai pas eu de ces nouvelles. Oh, ben, ça m'étonne pas. On a repêché au barrage de Suresnes, avec une bastos dans la tête. Encore un règlement de compte. Ah, dis donc, sa bonne femme, la ravissante, elle a pas dû s'en remettre. Où c'est qu'elle est, au Carmel? Penses-tu, elle a pleuré 3 mois. Puis elle a épousé un grossier homme de la bourse. Elle l'avait monté en client chez Rennes. Qu'est-ce que tu veux, faut bien faire une fin. Mm. Ben, dis donc, là, c'est pas le môme jambe de laine, ça? Si. On l'a emmené à Thiel, lui aussi. Il y a un an. Règlement de compte? C'est rose du foie. Oh merde. La diablerie. Là, entre la 5e et la 6e entretoise, tu files le train. Oui. T'as 20 cm pour passer, pas un poil de plus. Juste au ras des crémaillères de rappel, entre les deux électrodes. Tu files le train. Oui, seulement il y a un os. C'est que la brique, je l'ai pas. Dommage, j'avais enfin l'outil que je mérite. Non, c'est pas grave. Entre, nous l'attendrons ensemble. Mais entre, voyons. Non, je peux pas. Delphine. Delphine. Oh. Allô? Charles? Ici Léontine. Léontine? Léontine qui? La gâteuse. Par exemple, si tu es d'accord. Je verrai très bien ma villa de Menton dans la corbeille de mariage. Et entre nous, dans ta corbeille, tu verrais pas non plus mes barres de jonc, dit vieille seringue. C'est chaud! Décidément, mon pauvre Albert, je ne crois pas que votre père eût toléré vos fréquentations. Décidément, mon pauvre Albert, je ne crois pas que votre père eût toléré vos fréquentations. Mais dites, ça a l'air d'aller beaucoup mieux, hein? Fétiche! Madame! Mange-moi le petit gris de la châtaigne! Confessez-moi, mon père. Je ne peux pas vous confesser, là, comme ça! Il me faut un confessionnal avec une grille. Une grille? Mais remontez!